crois que c'est à moi. Si vous saviez, chers amis, comme avec les ministres qui m'entourent, nous sommes heureux et fiers de vous recevoir ce soir à Matignon. Heureux et fiers. Alors je veux vous présenter, mais vous les connaissez, les ministres qui sont avec moi. Il y a quand même 4 membres du gouvernement, et non des moindres. Le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui savait déjà pourquoi il venait, mais il vient à l'instant d'en avoir la confirmation. Évidemment, Elisabeth Borne, ministre du Travail et de l'Emploi. Alain Griset, ministre délégué en charge du commerce et de l'artisanat. Et tous vos métiers, il connaît par cœur, c'est sa vie. La vie. Il est arrivé au gouvernement, mais il n'oublie jamais d'où il vient. Et puis je salue Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État auprès de moi, en charge des personnes handicapées. Voilà. Donc je salue évidemment votre président. Je le salue notamment, évidemment, pour les propos qu'il a prononcés, pour ouvrir notre manifestation. Je le salue pour toute sa carrière, s'il me le permet. Parce que je ne dis pas que ce qui s'est passé cette année et qui nous rassemble ce soir est un point d'aboutissement, parce que la route est encore longue, cher président. Mais l'engagement qui a été le vôtre, toute votre vie, le parcours que vous avez suivi, les résultats que vous avez obtenus sont tout à fait exceptionnels. Et je pense que si tous ces jeunes sont là ce soir, eux étant d'autres, ils vous le doivent en partie. Et donc je voudrais à nouveau le saluer, le président, parce qu'il a toujours été là et il a cet engagement chevillé au corps et il fait honneur à notre pays. Donc bravo encore, président. Vous pouvez l'applaudir. Bon, et puis, évidemment, je vous salue à vous toutes et à vous tous, chers champions, championnes. Alors, il y a les experts, les professeurs, les encadrants. Je ne veux oublier personne parce que c'est la première chose qui me frappe en vous voyant et en ayant entendu les interventions précédentes. C'est une équipe. C'est une équipe. Bah, certes, j'ai bien compris qu'il y avait des disciplines, des compétition spécifique. Mais je me demande si, au-delà des immenses talents individuels qui se sont exprimés, ce qui n'a pas fait la petite différence pour remporter encore plus de médailles, c'est cet esprit d'équipe que vous avez su instaurer. Et cet esprit d'équipe, on l'a vu dans le film, on le voit dans vos regards, aussi, il était porté par la fierté de représenter son pays. Il faut être fier d'où on vient, de ce qu'on fait, il faut être fier de son pays, il faut être fier de la France. Et je voudrais vous féliciter de tout cœur, en ma qualité de chef de gouvernement, pour avoir porté haut les couleurs de la France. C'est toujours un très grand moment de servir son pays. Et finalement, vous le savez, chacun à son niveau peut servir son pays. Il suffit de le décider, de le vouloir. Pas besoin de faire nécessairement de grands exploits. Vous en avez fait. Mais servir son pays, c'est toujours un motif de bonheur et de dépassement. Et vous l'avez fait, et de quelle manière? Donc, 18 médailles, 3e place des nations d'Europe, et puis chacune et chacun d'entre vous a désormais un métier en or. Ça, je ne dis pas que ça résume tout, mais en tout cas, c'est un symbole très fort. Vous avez, comme moi, entendu le témoignage de Maxime,
Bon, on remue, évidemment. Ça ne gâche pas le plaisir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, Michel. C'est magnifique. Bon. Mais j'allais dire que vous êtes un peu un concentré de tout ce qui fait la force de notre pays. De tout aussi ce qui représente les aléas de la vie. Rien n'est jamais gagné. Rien. Je ne connais pas, évidemment, chacun de vos parcours individuels. Ils sont, par construction, très différents. Très différents. Je sais, cela a été rappelé, que le parcours dans lequel vous êtes engagé et qui vous conduit ce soir ici, à l'hôtel Matignon, n'a pas été toujours très simple. De surcroît, dans la période que vous avez, que, j'allais dire, la France entière, le monde entier a traversé, et j'en profite pour le dire, qui n'est pas complètement fini. Vigilance, d'ailleurs. Vous êtes, je ne peux pas encore apprécier, je peux voir vos regards, vos yeux, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, mais pas encore complètement vos visages. On a tous des difficultés auxquelles nous devons faire face dans nos vies personnelles, professionnelles. Tous. On a tous des épreuves à surmonter. Vous l'avez fait. Vous avez été courageux, vous avez été opiniâtre. Vous vous êtes serré les coudes. Je faisais tout à l'heure allusion à l'esprit d'équipe. Vous avez eu la force mentale nécessaire. Vous avez eu, sur quoi, je crois, l'amour de ce que vous faisiez, la fierté de votre pays. Et ça, c'est très bien. Et ça vous aidera toute votre vie, professionnelle et personnelle. Parce que des épreuves, vous en aurez d'autres. La question, ce n'est pas de savoir si on a des ennuis, des problèmes, des difficultés. Malheureusement, on en a tous, de pays, on en a. La question, c'est comment nous y faisons face. Voilà. Par la solidarité, par le travail, par la persévérance, par le courage. Je ne connais pas vraiment d'autres valeurs. Et je pense que, cher Président, c'est un message, je le sais, que vous portez depuis tant d'années. Nous, on appelait ça les Olympiades des métiers. Maintenant, il faut se mettre au monde anglo-saxon. Bon. Mais c'est d'abord et peut-être avant tout une compétition de valeurs, au pluriel. Valeurs. Celles qui, au-delà de vos parcours spécifiques, au-delà de vos magnifiques métiers respectifs, nous permettent de faire face et de gagner, puisque vous avez gagné. Puisque vous avez gagné. Mais au-delà de la victoire, c'est important la victoire. C'est important. Je répète, c'est l'exemple que vous donnez. Voyez vos médailles que vous arborez avec une fierté légitime que je vois dans vos yeux et qu'au nom de la République, je suis chargé ce soir de célébrer avec vous. Vous êtes un exemple pour les autres, pour tous les autres. Vous leur dites, c'est possible. C'est possible. Non, ça n'était pas gagné. Non, absolument pas, pas du tout. On n'est pas arrivé là par hasard. On n'est pas arrivé là par hasard. Personne n'arrive là où il est par hasard. Le hasard, ça peut quand même. Il y a une part de hasard, une part de chance dans la vie. Toujours on la meurt. Celle-là, on ne la maîtrise pas forcément. Mais tout le reste, donner le meilleur de soi-même, ça dépend en partie de nous, ça dépend aussi des autres. J'aime bien aussi cette notion qui a été relevée, chère madame, de passage, de transmission. Vous avez dit comment vous êtes arrivé là, comment vous êtes impliqué. Pour vous non plus, ça n'a pas été complètement évident. Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez fait? Votre volonté, votre souci de transmettre, de transmettre. C'est ça aussi qui fait une vie en société, en collectivité. Qu'est-ce que vous leur avez dit? N'oubliez pas, on vous a aidé, vous avez reçu. Eh bien, sachez donner à votre tour, le moment venu, à celles et ceux nombreux partout qui vous suivront. Et tous ces métiers
Je me tourne vers Alain Griset à nouveau, vers le ministre de l'Éducation nationale, vers la ministre du Travail. Nous, notre devoir, c'est de favoriser par tout moyen ça. Par tout moyen. D'abord, le regard qu'on porte sur ces métiers et sur celles et ceux qui les occupent. Capital. Et ce type de manifestation, il doit aussi servir à ça. Faire tomber un certain nombre de préjugés, d'idées reçues, qui remontent à loin. Ça nous interpelle collectivement. Ça nous interpelle collectivement. La réussite, elle est partout. Le bonheur, il est partout. Il faut qu'on s'en donne des moyens, là comme ailleurs, je l'ai dit. Mais croyez bien, Monsieur le Président, que ces jeunes, ils donnent l'exemple aux autres par ce qu'ils ont fait et par ce qu'ils feront. Mais si j'ai tenu à vous recevoir ici, à Matignon, c'est parce que, au-delà, chère madame, de votre requête, que j'en suis sûr, le ministre de l'Éducation nationale va, dès ce soir, examiner avec sa bienveillance coutumière. Au-delà de ce que vous nous avez dit, vous nous aiguillonnez sur les priorités que nous devons donner, que nous donnons à la formation professionnelle, à la valorisation de tous les métiers d'art et d'artisanat, au développement de l'apprentissage et des formations en alternance. Et je le dis avec fierté, nous sommes dans des périodes records dans l'histoire de notre pays. Enfin, parce que j'y ai toujours cru, serais-je tenté de dire, oui, il faut que vous nous aidiez à ce que la société ouvre les yeux sur le caractère indispensable, sur le caractère formidable de tous ces métiers, et donc des formations et des parcours qui y conduisent. C'est ça votre message global, j'allais dire votre message politique au bon sens du terme. Au bon sens du terme, vie de la société à venir de notre pays. Alors, une des vertus de ces Olympiades est aussi de rappeler la grande diversité de ces métiers. J'insiste beaucoup, et de plus en plus, parce que l'économie, ça évolue. C'est pas une donnée figée. Il y a des métiers qui disparaissent, mais il y a des métiers qui se créent. Là aussi, nous devons être au rendez-vous. J'ai compris qu'aujourd'hui, 65 métiers sont en compétition au niveau français et 63 au niveau mondial. Et là aussi, on voit bien le degré d'excellence. J'insiste, on l'a vu dans le film, d'excellence. Notre pays doit avoir l'excellence et la qualité pour première priorité. Je vous le dis, dans tous les métiers, vous avez parlé, cher Président, je l'ai entendu, de réindustrialisation, vous l'avez dit. Mais ça tombe bien, voyez-vous, là aussi, c'est ce qu'on va faire. Ben oui. Et je le dis à tous ces jeunes, quand même, il le sait, votre Président, entre 1980, ça fait vieux pour tout ça, personne n'était né à part Blanquer et moi. Bon, peut-être Griset aussi. Bon. Entre 1990 et il y a quelques années, écoutez-moi bien, Président, je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, la France, qui pensait n'être qu'une nation de services, il en faut des services, a perdu 50 000 emplois industriels par an, en moyenne. Vous voyez ce que ça peut être 50 000, vous voyez combien vous êtes par an. Depuis 3 ans, bon, il faut qu'on soit modeste, on a cessé d'en perdre, on a recréé 30 000. On est loin du compte avant de rattraper tout ça. On met le paquet, ça s'appelle le plan de relance, le plan France 2030 auquel vous avez bien voulu faire allusion. C'est un impératif. Le ministre Griset, il a, pour ceux d'entre vous qui choisiront l'activité de travailleurs indépendants, d'artisans, commerçants, présenté un plan très ambitieux, un plan indépendant pour mieux reconnaître et valoriser ces métiers, pour qu'ils soient plus attractifs.
Oui, tous ces métiers, c'est aussi l'avenir de la France. C'est une affaire de souveraineté. Vous voyez bien, là, la crise, je disais, on n'est pas fini. Et qu'est-ce qu'elle nous a montré? Qu'on produisait des médicaments, des trucs dans le sud-est asiatique, etc. On n'a pas les talents chez nous pour faire tout ça. Quand je vous vois, quand je vous regarde, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Donc il faut que nous nous en donnions, c'est un impératif national, collectivement, les moyens. Alors, il faut donc que vous soyez, vous l'avez dit, les plus nombreux possibles. Que ceux qui vous suivent et ceux qui suivent, ceux qui vous suivront soient encore plus nombreux. Après vos prédécesseurs, vous ouvrez la voie. Alors je rappelle que la prochaine fois, on jouera à domicile. Attention, attention. Et 2024, ça vous dit aussi quelque chose. À domicile, on accueillera aussi les Jeux Olympiques et Paralympiques, chère Sophie. Donc ça, ça va se suivre, tout ça c'est pareil pour nous. Pour la France, c'est la même fierté. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est juillet-août, pour faire simple, et puis vous, ce sera en septembre. Non, les amis, il ne va pas falloir se louper. Je vous le dis. Parce que là, on va avoir les projecteurs du monde entier. Du monde entier. Et ce sera très bien, parce que le sport, là aussi, je parlais de valeur tout à l'heure. Quelle valeur? Les Jeux paralympiques, madame la secrétaire d'État, c'est capital, il faut les réussir, ça montrera. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Je vous ai dit ce qu'on veut montrer à travers. Vous avez les Jeux paralympiques, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que nous sommes une nation ouverte, solidaire, qui donne la chance à toutes et à tous, notamment à ceux qui sont différents, qui souffrent d'un handicap. Eh bien, nous allons les mettre en valeur à eux aussi parce qu'ils ont toute leur place à la société. Et même, on parlait tout à l'heure d'abnégation et de courage, ils peuvent beaucoup, beaucoup nous en apprendre, tous les jours. Ils vont nous enrichir. Donc, quelle perspective se dessine devant nous en 2024? Ce soir, donc, je déclare ouverte, c'est aussi l'un des objectifs de cette manifestation, la campagne de recrutement des jeunes qui intégreront demain l'équipe de France pour 2024. Je vous encourage pour que cette campagne soit la plus ouverte possible et donc s'adresse à tous les jeunes qui auront moins de 23 ans en 2024 sur l'ensemble du territoire. Ça aussi, j'insiste, cher Président, tous les territoires, c'est pour tout le monde. C'est pour l'ensemble du pays et de nos concitoyens, notamment dans nos quartiers difficiles, il y en a, et dans nos campagnes, dans ce beau monde rural auquel je suis comme vous très attaché. Je veux dire aux jeunes filles et jeunes hommes dans les CFA, les lycées professionnels, Madame, Monsieur le Ministre, en entreprise ou en recherche d'emploi, au moment où cette semaine encore, nous avons décidé de dispositifs pour aller chercher celles et ceux de ces jeunes qui sont, comme on dit, les plus éloignés. Il y en a qui aujourd'hui, encore plusieurs centaines de milliers dans notre pays, n'ont ni emploi, ni formation, ni aucune aide. On ne peut pas les laisser au bord du chemin. À tous, je dis, les épreuves de sélection sont rudes, n'est-ce pas? Vous le savez. Mais ce n'est pas ça qui va nous décourager, c'est ça qui doit nous stimuler. Il y a tant à apprendre, je leur dis. Et vous leur direz évidemment beaucoup mieux que moi. Et au bout, je le répète, la fierté, d'abord de porter les couleurs de son pays, porter, ne serait-ce que cela, incarner les métiers que vous avez choisis et qui sont devenus autant de passions. Et évidemment, gagner, comme vous l'avez fait. Alors, ne laissez pas
passé cette opportunité, inscrivez-vous. Inscrivez-vous dans la lignée, oh, je ne peux pas dire de vos grands anciens, ça, ce serait peut-être un peu prématuré de le dire. Mais en tout cas, de cette génération qui est devant moi, qui a magnifiquement montré l'exemple, et à laquelle je veux dire, au nom du gouvernement de la République, au nom du pays tout entier, mes plus chaleureuses félicitations et ma requête, qu'ils continuent à assouvir leur passion, à la faire partager et à entraîner derrière eux, derrière vous, le maximum de jeunes Françaises et de jeunes Français. Merci beaucoup.